Ça fait 35 ans que je pratique la terre, mais la terre ne m'appartient pas. Dans notre communauté, la terre n'appartient pas aux femmes. La terre, c'est pour les hommes. Donc, quand nous arrivons auprès des banques pour prêter de l'argent, nous, on n'a rien comme fonds. L'accès financier est très difficile en Côte d'Ivoire. J'ai dit aux banques de ne pas avoir peur de nous, nous femmes. Les femmes sont très capables de pour rembourser. Dans notre groupement Kichanjogo, on a une épargne chaque dimanche qu'on cotise les 500, on se donne les prêts. Entre nous, on cherche à résoudre nos petits problèmes. Ce qu'on peut faire en groupement, toi individuellement, tu ne peux pas. Supposons que le marché, il n'y a plus de femmes, le marché ne sera plus rien. Ce sont les femmes qui dominent le marché du Kourougou. Mais on n'a pas de problème. Mais quand on a besoin d'aide, d'un prêt, on a tous les 1000 problèmes. J'ai dit aux banques de s'adapter à nos plans d'affaires. C'est ce que je demande aux banques. Dans le domaine de l'agriculture, au moment que tu produis, tu ne peux pas rembourser. Quand tu vas récolter et commercialiser, c'est en ce moment que tu dois commencer à rembourser. Si les banques acceptent de vraiment diminuer leur garantie et choses risquées avec la femme, et on va émerger. Les femmes vont émerger la Côte d'Ivoire. Elle a les idées, mais compte tenu dans notre coutume, la femme ne doit pas parler. Aujourd'hui, les femmes parlent. Nous parlons. Thank you.